C'est un peu historique parce que je suis ami avec Olivier, qu'on se connaît depuis longtemps. Et l'année dernière, il m'avait invité à la même séminaire à l'entrée où il y avait l'océanographe et une amie scientifique avec qui je travaillais, Léa Lansane. Et j'ai trouvé que l'ouverture justement des vétérinaires sur d'autres techniques, sur des choses qui peuvent améliorer leur quotidien, était assez innovant. Alors bon, moi je ne suis pas vétérinaire, donc je n'ai pas l'objectif d'apporter quoi que ce soit, mais dans leur quotidien, ils sont souvent confrontés à des chevaux qui ont soit été mal éduqués, soit qui ont des problématiques de comportement, et ils ne sont pas formés là-dessus. Et malheureusement, des fois, dans l'urgence, il faut qu'ils soignent le cheval, et ils sont obligés d'intervenir à faire des techniques de manipulation qu'ils ne connaissent pas. Et il y a des paramètres physiologiques qu'eux connaissent, mais aussi des paramètres mentaux qui peuvent aider justement à la pratique quotidienne et qui peuvent aider et les chevaux à comprendre un petit peu mieux ce qu'on attend d'eux et les vétérinaires à ne pas se mettre en danger. Nouveauté. L'observation et la lecture du cheval.